Incoming transmission. Aujourd'hui, nous avons reçu un message d'Arcturus. Écoutez, bienvenue à tous. Le monde est devenu un endroit intense et effrayant pour beaucoup. À mesure que le flux d'énergie à haute fréquence se développe, il sert à exposer et à manifester des énergies denses qui ont été longtemps simplement ignorées ou dissimulées, tant personnellement que globalement. Il y en a quelques-uns qui se sentent renforcés par ces énergies et choisissent d'agir en conséquence plutôt que de leur permettre simplement de se déplacer et de s'éclaircir. Les récentes éruptions solaires sur Terre sont des manifestations de la présence croissante de hausses fréquences de résonance qui s'intègrent désormais physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement chez chaque personne. Dans le même temps, ces hautes fréquences ouvrent les yeux sur des concepts de séparation qui ont longtemps été acceptés comme étant justes et normaux. Beaucoup d'entre vous vivent des épisodes de dépression, d'anxiété, de colère, de tristesse et de doute qui semblent venir de nulle part. Nous pourrions vous retrouver et regarder ensemble le passé avec nostalgie ou devenir plus critique et négatif. Ce sont toutes de vieilles énergies qui circulent à mesure qu'elles se dissipent. Vous éliminez personnellement et collectivement des siècles de vie pleines d'une conscience de séparation. Ces émotions étaient souvent nécessaires à la survie et par conséquent sont désormais fermement ancrées dans la conscience de presque chacun comme étant normal et réel. Ne les revendiquez pas comme étant les vôtres. Les pensées, les sentiments, les émotions de nature négative ne sont pas, n'ont jamais été et ne pourront jamais être les vôtres personnellement. Parce que vous êtes une conscience divine individualisée, les seules qualités qui vous appartiennent vraiment sont les qualités divines. L'harmonie, la joie, la vie, l'abondance, l'intelligence, la paix. Ne riez jamais des émotions négatives qui peuvent surgir ou prétendre un état de conscience qui n'existe pas et que vous n'avez pas encore atteint. Mais laissez-les plutôt simplement s'exprimer en les reconnaissant pour ce qu'elles sont, des suggestions du collectif tridimensionnel. N'oubliez pas que tout ce que vous croyez être personnellement vôtre et qui vous êtes devient vôtre parce que vous êtes des créateurs créant à partir de l'état de votre conscience. Il y a des moments où vous devez faire face à des problèmes liés au fait de vivre dans l'énergie de la troisième dimension, sans culpabilité ni sentiment d'échec spirituel. Lorsque vous rencontrez un problème quelconque, laissez votre intuition vous guider vers les traces humaines qui peuvent être appropriées. Consultez les professionnels, mais sachez toujours d'abord la vérité, que la conscience divine omniprésente ne peut pas, ne fait pas et n'a jamais créé ou manifesté autre chose que la plénitude elle-même. Au cours de vie d'ignorance, les créations de la dualité, de la séparation et des deux pouvoirs se sont accumulées, développées et solidifiées dans la conscience collective terrestre, ce dont puisent les esprits humains. Ces énergies anciennes doivent faire surface et se dissiper au fur et à mesure que le processus d'ascension se déroule. Reconnaître leurs manifestations pour ce qu'elles sont, sans leur donner de pouvoir. Le changement arrive à tous les niveaux. Soyez prêts, en gardant toujours à l'esprit que les bonnes apparences matérielles sont tout aussi illusoires que les mauvaises. Vous allez voir de nombreuses traditions de croyances et de pratiques généralement acceptées qui vont commencer à s'effondrer. Tenez-vous fermement à la vérité et rentrez souvent à l'intérieur simplement
pour vous reposer dans l'unité en écoutant la petite voix douce qui est en réalité la voix de votre véritable soi. Parce que le divin radiant exprime à l'infini son soi omniprésent, omnipotent et omniscient, la méditation revient un peu à l'écouter aux portes. Il s'agit d'écouter tranquillement et en toute confiance la conscience divine intérieure s'exprimer. Et vous pouvez ou non en être conscient. Abandonnez tous les concepts précédents sur la manière dont cette connexion intérieure devrait se manifester. Cela peut venir comme un sentiment ou une connaissance, où il peut sembler que rien du tout ne s'est produit, mais sachez toujours que chaque attention et chaque action d'alignement spirituel établit un lien, car le divin radiant 1 n'est pas séparé de vous. Entraînez-vous silencieusement et secrètement à reconnaître la vraie nature divinité de chaque personne, celle que vous aimez et celle que vous n'aimez pas, celles qui sont prises dans des vies de séparation et celles qui essayent de nuire aux autres physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Cela ne signifie pas que vous devez les aimer ou leurs actions. Cela signifie que vous voyez à travers l'apparence humaine la réalité. Même ceux qui sont aimants et gentils ne sont pas bons en eux-mêmes, mais permettent plutôt aux qualités divines qui sont en eux de s'exprimer. Les faux concepts et croyances doivent d'abord se manifester matériellement afin d'être réellement vus et dépassés par la majorité. Le monde tridimensionnel a construit une conscience consensuelle qui permet aux gens de faire tout ce qu'ils croient devoir faire pour être heureux et épanouis, quelle que soit la manière dont cela peut affecter les autres. De nombreuses croyances communément acceptées et fondées sur la séparation continuent d'être présentées comme des vérités par les gouvernements, certaines religions organisées et des individus égoïstes. Ne doutez pas que le plan divin est bel et bien vivant, provoquant la disparition de ce qui devient rapidement obsolète sur Terre en tant que planète en évolution. Que ce soit les activités soutenues par des individus, des organisations, des entreprises, des religions, des gouvernements et tous ceux qui recherchent le pouvoir sur les autres. Ces choses ont maintenu l'humanité dans l'esclavage et dans l'ignorance de son véritable soi pendant des éternités. Le moment est venu pour tous les habitants de la Terre de se réveiller d'un très long rêve. Dans le cadre de ce processus, beaucoup de choses se produiront qui entraîneront la confusion, le questionnement et le doute, mais qui en même temps éveilleront une majorité endormie à des niveaux de conscience jamais vus sur Terre depuis très longtemps. Soyez un observateur. La Terre est une planète pure à haute résonance, formée et par l'Esprit divin, qui ne peut pas être détruite ou éliminée par des égos humains trompés par leur pouvoir personnel et leur cupidité, même si cela peut sembler ainsi. Gardez la vérité, très chers membres d'équipage de la Terre, et soyez la lumière que vous êtes devenus. Autorisez ce processus. Nous sommes le groupe Arcturien, message en télépathie PES Solex, par Marilyn Raphaël. Adonai Vasu Baragush.